Salutations mortels, c'est Skull qui vous parle, bienvenue sur Onipop. Alors si vous ne connaissez pas ce jeu, et bien c'est simplement un simulateur de drague. Et je pense que vous connaissez tous le concept des simulateurs de drague, hein. C'est juste de pouvoir flirter avec des filles. Et enfin, pouvoir s'abonner au plaisir, à ce plaisir merveilleux qu'est la copulation. Donc pourquoi j'avais choisi ce jeu et en particulier, parce que déjà parce que j'avais envie, hein, d'une part. Et d'autre part parce que c'est un jeu qui me chatouille un petit peu le... Qui me chatouille un petit peu ma curiosité, dans le bon sens du terme, hein, rassurez-vous, hein, pas dans le mauvais, hein, dans le pervers. Donc bah, je vous propose de directement commencer. Donc alors, comme vous pouvez voir, j'avais déjà fait une partie, mais on peut en commencer une nouvelle, enfin, bien évidemment, parce que sinon, on avance pas bien loin. Donc alors, vous pouvez jouer soit en tant qu'homme ou femme, alors ça ne change absolument pas grand-chose, puisque les seules choses qui changent en fait sont les orientations sexuelles des personnages, ainsi que l'atmosphère un peu générale du jeu, enfin bon, c'est rien de transcendant. Donc bah, nous allons jouer en tant qu'homme, parce que la dernière fois que j'avais vérifié, je possédais un appareil de reproduction masculin. Croyez-le ou non. Et que je joue avec une femme, ça sera un petit peu bizarre. Hi oui. There. Ok, alors je vois plusieurs réponses. Hey, salut. Wow, ok. Could I get you to maybe take it down a notch? I'm right here. C'est comme ça que ça commence bien. Ouais, désolé, c'est juste que je parle... pas beaucoup de filles. Well, you're talking to one now, champ. My vraiment? Name is Q. Nice to meet you. Q. Tu veux dire genre la lettre? Nope, not like that at all. Look, dude, are you gonna be all right? Looks like you're having some trouble holding it together over there. Ah bah, mais qu'est-ce que tu racontes, moi? Moi, je dois la rester calme. Non, je suis calme. That's a fat load of shit and you know it. Ok, c'est pas peine de m'insulter. Non, mais sérieusement, c'est si évident que ça. I can see how uncomfortable you are right now from space. Okay. Wait. You know what? This might actually work. Ooh. Yeah. Yeah. Oh man, this is your lucky day, buddy. Oui. Listen, oh. I gotta go, but we'll meet again real soon. Trust me. Night. Ok, salut. Ok. Voilà. Première dernière fois du jeu qu'on se voit, hein? N'est-ce pas? Ma chambre, une belle chambre, waouh. Hey you, rise and shine, we've got work to do. Ok, qui es-tu? Comment es-tu entré ici? I said, get up. Ok, je suis levé. Am I gonna have to pull the covers off? Oh, non, pas ça, je te jure, parce que là, je n'ai pas de vêtements en ce moment et j'aurais pas envie de perdre la pudeur. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? J'appelle les flics. Chill out for a second. You'll be glad I showed up. Mais pourquoi? Don't you recognize this adorable face? Non. It's Q from the bar. Connerie. Parce que déjà, t'avais des cheveux bruns et pas d'elle. Clever disguise, right? Ouais, non. I can change my hair any color I want. It's pretty sweet. Comme n'importe quelle femme, félicitations! I'm a fairy. Well, a love fairy to be exact. Une fée. Alors, je suis désolé de te dire, mais les fées, en fait, ça n'existe pas. Common misconception. I assure you that fairies are indeed a thing. Non. You see, as a love fairy, it's my job to help poor saps like you out with the ladies. It's just what I do. I don't bien like sûr, to brag, ça, but I'll have you know I have a very impressive track record. Bien sûr. All of my previous clients are basically walking babe magnets now. Mm-hmm. You, though. Let's just say you will be my greatest accomplishment yet. Merci, mais non merci, je me débrouille tout seul. No, but seriously. We need to get started right away. Tell me. How many dates have you been on? Combien de rendez-vous? Ah bah, il y en a plein, tu sais. Alors, il y a celle-là, il y a également celle-là. Pour nommer que celle-là. Sans oublier celle-là. Et puis aussi, pourquoi oublier celle-là, hein, si. Sans parler de celle-là aussi, et Attends, tu veux dire de vraies filles avec de vrais rendez-vous avec de vraies filles? Oh my god, it's worse than I thought, isn't it? Alright, grab your shit, we're going on a date right now. Someone has to show you the ropes. I know a place nearby that's open pretty late. You'll love it. Or not, I don't care. Ah, merci, hein. Alors, au cas où vous posez la question, en fait, je joue un personnage, je joue un rôle, là. Oui, le rôle, là, je suis pas du tout, pas du tout crédible en disant ça. Alright, I'll try to make this quick. This is the date grid. These little pieces are called tokens.
You earn affection by matching three or more of the circular tokens horizontally or vertically. Mm-hmm. For a successful date, you have to fill the affection meter before you run out of moves. Mm-hmm. Go ahead, give it a shot. Match those orange ones with the crescent shape in the middle of the grid. Ça? See? Oui, je t'affectionne. Each of the four types of affection tokens represents a particular trait. The orange ones represent romance, blue is talent, green is flirtation, and red is sexuality. Ah, pay attention to which trait your date prefers. It'll go a long way. Of course, matching four or five tokens will get you even more affection. I'll show you. Match those four sexuality tokens in the bottom right of the grid, the red ones. Les rouges, comme ça. Sweet. Okay, what's next? Oh, right. Let me cover the other token types real quick. The pink hearts are passion tokens. Matching those will raise your date's passion level. Mmh. The higher her passion level is, the more affection you'll earn. The gold bells are joy tokens. You'll get an extra move by matching those. Very useful. Okay. The broken heart tokens are bad news. Seriously, avoid matching those as best you can. Finally, the teardrops are sentiment tokens. Matching those gives you, well, sentiment. Évidemment. You need sentiment in order to use date gifts. And seeing as how you don't have any date gifts, I'm guessing I need to explain that too. Here, I'll hook you up with one of mine. It's on the house. Merci. Like I said, you'll need sentiment to use it. So go ahead and match those three sentiment tokens in the leftmost column, the teardrops. Okay, comme ça. Oh, combo, parfait. Okay, now go ahead and give that date gift to me. Okay, voilà. Cool, huh? There are like a ton of different date gifts that you can get too. They each have a unique effect on the date and can be extremely useful in combination. Oh, and thanks to a little fairy magic, you'll never actually lose them. So you can use them on your next date too. Is that cool or what? Alright, alright, I've gone on long enough. I'll let you finish up the date so you can get the hang of it. Okay. Oh, and don't worry, I won't let you fail this one. I'm not that mean. Attends, t'es rien. Donc, au cas où vous n'aurez toujours pas percuté, en fait, ce jeu est un croisement entre un simulateur de drague et un bijou. C'est-à-dire que les parties où vous interagissez avec les personnages, vous pouvez voir, c'était... C'est une espèce de... une phase, un mix entre... simulateur de drague et visual novel, hein, parce que c'est un petit peu ce que c'est, hein, au fond, cette phase. Et la phase que je joue actuellement, en fait, c'est un bijou, en fait. Donc, voilà, deux types de jeux en un, parce que pourquoi pas. Donc, alors... je pense que vous avez vu le tutoriel, donc je pense que j'aurais pas besoin de plus d'explications. Voilà. Là. Là. Alors j'ai hâte de gérer ce passage, hein, mais il faut savoir que la première fois que j'avais joué à ce jeu, j'avais fait j'avais joué comme ça vide pour m'apprendre l'ambiance. J'avais mis quand même une bonne dizaine de minutes, c'était plus à tout finir. Parce que. Je suis pas spécialement adepte de ce genre de jeu, hein, surtout pour ce qui est des jeux comme Bejeweled. Donc je suis pas un adepte de ce genre de jeu, mais si vous juste d'un peu de temps, là, c'est vraiment un peu comme tout au final. Là. Alors là, faut surtout pas que je me... Voilà, parfait. Là vous l'avez vu, j'ai merdé, hein, parce que j'ai empilé plusieurs cœurs déchirés, j'ai envie de dire, hein, par manque de meilleurs mots. Et donc bah ça fait que je perds des points, hein, évidemment. Ah oui, déjà je sais plus ce que je fais. Je parle, je sais même plus ce que je fais. Voilà. Voilà. Je suis perdu. Aidez-moi. Je sais plus où j'en suis. Là. Parfait. Là. Ouais, c'est, je retrouve un petit peu la main. Ouais, c'est. J'espère que j'ai pu avoir ce problème. Voilà. Bon, ah, parfait. Parfait, je vais te retrouver la main. Parfait. Ça, bon, là, ça sert un petit peu à rien puisque le compteur de mouvement est bloqué à 4 pendant tout le tutoriel, hein. Et voilà.
Évidemment, le but c'est que de faire en sorte que tous vos rendez-vous soient un succès. Logique. Nice. See, I knew you had it in ya. Ah, j'avais quoi moi de spécial pour que tu pour que ça paraisse aussi extravagant. Oh shit. Ah oh, shit. Morning already? We are way behind schedule. Okay, check it out. I have one last thing to give you, and this is important. Quoi? Introducing the latest in Love Fairy technology, the Honeybee 4.0. The Honeybee is an essential lifeline for any player on the go. It automatically registers the info of new girls you meet and can even track their location. You can organize your inventory, buy new gifts, upgrade your traits. It's awesome. We don't have time to go over every feature, but you're a big boy. You can figure it out. To access the Honeybee, all you have to do is right-click at pretty much any time. Or, if you're weird, you can use that button at the top of the screen. Go ahead, break that bad boy open. Alors là, ce serait le moment où je vous ferais une blague crue et malvenue. Hein. De toute façon, je pense que tous les épisodes de ce jeu seront comme ça, mais j'ai pas envie. Donc à la place, je vais faire comme tous les gens bizarres, c'est-à-dire appuyer sur le clic droit. Ouais, ça. Ouais, donc voilà, vous pouvez voir cet inventaire. Hein, donc donc cet inventaire, si vous avez joué à un jeu depuis ces 20 dernières années, c'est là où on stocke nos objets. Hein. Donc voyons voir ce que c'est. Alors, une boîte de mouchoirs utilisée pour... utilisé pour s'essuyer le nez ou pour... c'est parce que j'essaie de traduire en même temps. Pour nettoyer des fluides corporels, des fluides corporels variés comme par exemple... les selles. Les selles, ça dépend de ce que vous avez bouffé à midi. Hein. Bon, ça évidemment, donc pas de commentaire. Hein. Ok, great. I think that's it for now. Let's get out there and talk to some broads. Déjà, attends, c'est pas un petit peu tôt là? Attends. Ou on pourrait juste se détendre et jouer à la jeu vidéo? Est-ce que ça ressemble à un bon investissement pour toi? I said, let's go talk to some broads. Mais j'ai pas envie, pas maintenant. Je suis pas prêt, me fais pas faire ça, s'il te plaît. What's that? I didn't hear you. Did you say hell yeah? Faut que c'est quoi? Bah. That's what I like to hear. Now, if you want to meet a hot chick, you gotta go bon, where the hot chicks are. Extraordinaire, I've done some pas. Scouting and I have a few ideas of where to start. It depends what type of girls you're into. We can check out the university, the mall, the gym, the park, or the nearby cafe. What'll it be? Bon, y'a pas prendre au hasard, hein, de toute façon. Hein. Good choice, rookie. Couldn't have picked it better myself. Alright, ready? Get your game face on. Voilà, donc c'est à partir de là, vraiment, que le véritable jeu commence, parce qu'on va pouvoir interagir avec des diverses filles. Comme celle-ci, par exemple. Yo, I didn't expect to see you here today, Tiffany. Yeah, my English lit class was cancelled. Trying to make good use of the time. Hey, listen, thanks so much for watching Philip the other day. I know it was last minute. No, don't even mention it. I'd love to hang out with Philly. He's my little buddy. Did he give you any trouble? Nope, like an angel. An angel? Are you sure you were watching the right kid? I know I still owe you two, so don't worry. I should be getting my paycheck tomorrow. Shh, I won't hear of it. I was more than happy to help out. Nonsense. I'm not taking no for an answer. Too late. Have a good workout. Hey, get back here. This isn't over. Man, will you get a load of these two? I'd kill to have tits like that. Oh yeah, don't worry. They can't see or hear me. I'm just a figment of your imagination. Plot twist! Nah, I'm crazy real. I just hid myself from everyone so I can give you advice on the sidelines. This chick is clearly out of your league, but there may be hope. Et à qui tu She's parles? Probably looking for a decent guy because of that baby mama drama. So, just try not to be an ass for like 5 minutes. Oh, she's looking over this way. Showtime. Okay. Hey, are you finished with that machine? I have one set left to jam out. Oui, je veux juste finir, elle est à toi. Awesome, thanks so much.
Ah, c'est pas évident de choisir une réponse un petit peu. Ah, tu sais, je connais peu de filles qui font d'exercice avec leur boucle d'oreille. What? Oh shit, totally forgot about these. Thanks. You must be new here. I don't think we've met before, right? Non. I like to think I know all the regulars here on a first name basis. You could say I'm a little obsessed with this place, I guess. My name's Kiana. Will I be seeing you here more often? Kiana, t'as joué toi, Nibi. Est-ce que je te verrai... Est-ce que tu me verras plus souvent? Bah, j'ai hâte. Great, I'm counting on it. Oh, dude, you know what? You have to try one of the yoga classes they do here. The instructor is awesome. I think you'd dig it. If you like being in a room with a bunch of sweaty girls, that is. Ouais, non, merci. No way! You did it! Well, with my help, of course. Bien sûr. I gotta admit, I did not expect you to pull that off. À qui est-ce que tu parles? Luck. Don't let it go to your head. By the way, that other chick that was here just a second ago, since she was in range, the honeybee started tracking her location too. So after you're done here with this girl, you can go catch up with her too. Just bust out the honeybee and check out the girl finder screen. I'm pumped. You pumped? Yeah, you're pumped. Go get him. I'll be around if you need me. What am I saying? Of course you need me. Non, j'ai pas besoin de toi, tu seras rien pour l'instant. Donc, bah écoutez les amis, on va s'essayer ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc alors cet épisode était juste un petit peu pour histoire de présenter le jeu. Si ça est le cas, bien sûr, hein, je suis nul comme présentation, je suis nul pour expliquer, hein, vous me direz, vous confirmerez dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, portez-vous bien, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Skull House.